l'univers. Cet espace qui nous paraît infini, où des milliards et des milliards de galaxies ne cessent de s'éloigner les unes des autres. Il nous hante comme il nous laisse rêveurs, ce lieu aux innombrables mystères. Tant de mystères que de questions sans réponse. Certaines questions reviennent cependant couramment à son sujet. Comment est-il né? Quelle est sa taille? Et quel est son avenir? Aussi petits que nous sommes, nous essayons de trouver des réponses. Que ce soit par les religions ou par la science. Booster ignition and liftoff of discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gates. Quelques milliers d'années avant nous, des savants érudits créèrent le premier répertoire d'étoiles de notre voûte céleste. Les philosophes grecs, qui n'en étaient pas moins astrologues ou encore mathématiciens, comme Platon, Aristote, Ératosthène et bien d'autres, ont tenté et nous ont permis de commencer à comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, grâce à certaines théories et à nos avancées technologiques, nous pouvons commencer à apporter des éléments de réponse à nos interrogations. La découverte de la relativité générale par Albert Einstein en 1915 marque le début de la cosmologie moderne. Il devient alors possible de décrire l'univers dans son ensemble comme un système physique, son évolution pouvant être décrite par la relativité générale. Cette théorie donne une nouvelle conception de l'espace et du temps, dans laquelle la gravitation devient une propriété géométrique de l'espace-temps. Lorsqu'Albert Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale, il aurait pu aussi en déduire l'expansion de l'univers. Mais celui-ci, persuadé que l'univers était statique, a préféré modifier son équation. En 1922, Alexander Friedman découvre que les équations d'Einstein permettent de décrire un univers en expansion, un univers qui évolue. Une violente bataille entre Friedman et Einstein s'engage alors, Einstein refusant l'idée d'un univers non statique. À la fin des années 1920, grâce à son observation des galaxies les plus proches, Edwin Hubble s'aperçoit que la vitesse d'éloignement d'une galaxie était proportionnelle à sa distance par rapport à l'observateur. La loi de Hubble vient de naître, et ce phénomène vient confirmer la théorie d'un univers en expansion. Einstein est alors contraint de s'incliner. De par leurs travaux, Alexander Friedman, Georges Lemaître et Georges Gamow sont considérés comme les pères de la découverte de l'expansion de l'univers. C'est à partir de ce moment que l'on a commencé à chercher l'origine de l'univers, car s'il est en expansion, il y a forcément un début à tout cela. Qu'est-ce qui a initié la théorie du Big Bang? Les physiciens, en fait, quand ils regardaient le space, les astronomes aussi, ils se sont aperçus que l'univers était en expansion. Et donc ils se sont dit, attends, s'il est en expansion, ça veut dire que si on remonte le fil à l'envers, il rétrécit. Et donc s'il rétrécit, il y a bien un moment donné où il était tout petit, il avait une taille nulle. Et c'est comme ça que la théorie du Big Bang a été initiée à la base. C'est avec cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Aujourd'hui, on sait que il a probablement jamais eu une taille nulle, les lois de la physique l'en empêchent. Mais par contre, voilà, on sait qu'il était dans une taille très 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 réduite et que d'un coup, pof, il s'est mis à grandir de façon très 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 rapide avant que ça se ralentisse et maintenant ça accélère tout doucement. La naissance de l'univers, le Big Bang. Réalité ou simple théorie? C'est en tout cas le modèle cosmologique utilisé aujourd'hui par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Ce modèle fut proposé par un membre du clergé catholique belge, Georges Lemaître, qui n'en était pas moins astronome et physicien, lorsqu'il émet la théorie de l'atome primitif, que l'on peut considérer alors comme la naissance, le début temporel de l'univers. Cette théorie fut alors nommée ironiquement Big Bang par Fred Hoyle en 1949 au cours d'une émission de radio. Et c'est ce terme de Big Bang que l'on utilise encore aujourd'hui. Le Big Bang est supposé expliquer, ou au mieux décrire la naissance de l'univers, donc celle de la matière, de l'espace et du temps. Souvent comparée à une explosion, la naissance de l'univers aurait dans tous les cas été invisible pendant ses 380 000 premières années. Le Big Bang n'est pas une explosion. On vous l'a présenté comme ça, mais c'est faux. C'est même pas une simplification, c'est tout simplement faux. Le Big Bang ne prétend pas expliquer le début de l'univers. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, parce que... Comment ça, le Big Bang, pourtant c'est de la création de l'univers? Mais non, en fait, non. Le Big Bang, lui, il explique à partir d'un certain point de l'univers, à partir d'un certain instant, jusqu'à nos jours. Et en fait, tout ce qui se passe avant ce point-là, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On n'a pas les équations pour savoir ce qui se passe. Donc en fait, on ne sait pas. La théorie du Big Bang, elle est valable après tout ce qui se passe après cet instant-là. Et cet instant-là, on l'appelle l'ère de Planck. Et il vaut à peu près 10 puissance moins 42 secondes. Alors 10 puissance moins 42 secondes après quoi?
Et bien après, l'instant qu'on considère comme l'instant zéro, mais ça veut pas dire que cet instant zéro là a eu lieu. Il faut bien comprendre ça. Cet instant zéro n'a peut-être jamais existé en fait. Il y a peut-être eu quelque chose avant. Et ça, on peut pas le savoir à l'heure actuelle parce que nos équations nous permettent pas de le calculer. Dans le modèle d'Alexander Friedman et Georges Lemaître, le point de départ de l'univers correspondrait à une singularité initiale. Cette singularité serait l'univers à son instant zéro. Elle aurait une température et une densité infinies. Dans les 380 000 premières années de l'univers, la matière et l'énergie sont tellement condensées que la lumière ne passe pas. Il est donc compliqué de décrire avec exactitude ce phénomène, car il n'a pas été créé dans un espace vide, il est la création de l'espace. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, tout cela à partir d'une singularité pas plus grosse qu'une bille. Certaines théories, comme la théorie des cordes, nous laissent penser, si elle est exacte, que l'univers aurait une température finie, ce qui contredit alors la théorie du Big Bang, qui donne à l'instant zéro de notre univers une température infinie. On peut alors penser que la singularité dont est né notre univers n'est en réalité qu'un point de passage. Un univers précédent se serait contracté pour devenir cette singularité dont serait né notre univers actuel. Aujourd'hui, il est impossible de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Pourquoi est-il né? Comment? Il n'y a aucune preuve scientifique que l'univers ait une origine. La question reste ouverte. Cependant, nous savons que notre univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années d'une dilatation rapide que l'on assimile maladroitement à une explosion. Le satellite Planck, développé par l'ESA et avec la participation de la NASA, est lancé le 14 mai 2009 et était équipé d'un capteur d'une sensibilité extrême, capable de détecter des changements de température de l'ordre du millionième de degré. Il fut positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre et son travail consistait à cartographier le ciel. Son objectif principal étant de dresser une carte des températures de ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. Chaque jour, il transmettait plus d'un milliard de mesures. Les chercheurs extrayèrent des paramètres des images fournies par Planck afin de tenter de reconstituer toute l'histoire de notre univers. Quand l'univers était juste après l'ère de Planck, toute la matière c'était un bouli-boulga de matière, c'était une sorte de soupe, il n'y avait que des quarks, des particules, et il y avait des particules et des antiparticules. Et les particules et antiparticules, ça s'aime pas. Un gramme de matière et un gramme d'antimatière, si vous les faites se rencontrer, ça fait une explosion qui est trois fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Donc le truc, c'est que ces particules de matière et d'antimatière auraient dû s'annuler normalement, parce qu'on retrouve plus d'antimatière aujourd'hui, et on suppose qu'il y avait autant de matière que d'antimatière. Sauf qu'en fait, c'est pas possible, parce que on est là, donc forcément il y avait un léger plus de matière. La matière survivante, elle a commencé à s'agglomérer pour former des noyaux, et puis les électrons se sont mis à graviter autour des noyaux pour former des atomes. Ça s'est passé en quelques centaines de secondes, faut bien garder ça à l'esprit. Au bout d'une centaine de secondes, l'univers était déjà immense, vraiment, il est parti de rien, et 100 secondes après, il était immense. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des dizaines de milliers d'années, l'univers est resté comme ça, rien, pas de lumière. Parce que les photons ne pouvaient pas traverser et la matière qui était encore trop dense et bien trop énergétique. À ce moment-là, on parle encore d'une température de plusieurs dizaines de milliards de degrés. C'est incommensurable. Même ce qui règne à l'intérieur du Soleil, c'est peanuts à côté. Et donc ensuite, on a dû attendre que la température de l'univers refroidisse. Et il a fallu attendre longtemps, très longtemps. Peu en regard de l'âge de l'univers, mais il fait quand même très longtemps à l'échelle humaine. 380 000 ans, exactement. Au bout de 380 000 ans, après le Big Bang, la température de l'univers a commencé à passer en dessous des 5000 degrés. Degrés Kelvin. Et du coup, à ce moment-là, comme elle est passée en dessous, les particules de matière étaient suffisamment peu énergétiques pour que les photons puissent commencer à traverser ces particules. Et du coup, l'univers a commencé à devenir transparent. C'est à partir de ce moment-là que la lumière a commencé à être émise dans l'univers et qu'on a pu commencer à voir quelque chose. Alors attention, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'étoiles, de planètes, et on parle même pas de vie, il n'y avait rien de tout ça. Cette première lueur, on la voit encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors on peut plus la voir à l'œil nu à cause de l'effet Doppler, mais par contre, on peut la mesurer avec nos instruments, et c'est d'ailleurs ce qui a confirmé la théorie du Big Bang, parce que la théorie du Big Bang avait été initiée, mais le jour où on a trouvé ce rayonnement cosmologique que la théorie du Big Bang prévoyait, on s'est dit, on tient la bonne théorie, c'est bon, elle prévoyait ça, et on trouve ça. Le truc fou, c'est qu'en plus, on s'est aperçu après que la théorie correspondait sur plein d'autres choses, le positionnement des galaxies et plein d'autres phénomènes. Et donc, la théorie du Big Bang, c'est aujourd'hui une théorie qui est quand même relativement solide. Elle n'est pas parfaite, on va sûrement
la modeler, l'améliorer, mais c'est une théorie qui est à l'heure actuelle relativement solide. Depuis sa naissance, l'univers est en expansion constante. En effet, les galaxies s'éloignent en permanence les unes des autres. C'est cet éloignement des galaxies entre elles, dans l'espace et le temps, que l'on appelle l'expansion de l'univers. Ce qui nous amène à la question suivante. Quelle est la taille de l'univers ? La taille de notre univers nous est complètement inconnue. Nous ne serions même pas capables de dire s'il est fini ou infini. Notre univers ayant l'âge de 13,8 milliards d'années, et le fait que la vitesse de la lumière soit finie limite notre vision. L'on appelle la limite de l'univers observable l'horizon cosmologique. Nous pourrions penser que la taille de notre univers observable est de 13,8 milliards d'années. Cependant, ce que nous observons et qui se trouve à 13,8 milliards d'années pour nous sur la Terre, se trouvait déjà là il y a 13,8 milliards d'années. L'univers étant en constante expansion, ce qui se trouve donc pour nous à 13,8 milliards d'années est en réalité beaucoup plus loin. Grâce à nos avancées technologiques, nous avons pu déduire que notre horizon cosmologique se situerait à environ 45 milliards d'années-lumière. L'univers observable autour de la Terre est représenté par une sphère dont l'horizon cosmologique est la limite, ce qui donnerait un univers observable d'un diamètre de 90 milliards d'années-lumière. Mais rien, aucun calcul ne peut nous laisser imaginer qu'il y ait une frontière. Mais si l'univers avait une limite, quelle forme aurait-il ? Lorsque l'on est amené à décrire l'univers d'un point de vue physique, on se le représente comme un lieu en 4 dimensions, 3 dimensions de temps et une d'espace. Il est très compliqué de l'imaginer car cela reste très abstrait. Le satellite WMAP, prédécesseur du satellite Planck, est lancé en juin 2001 pour dresser une carte de l'anisotropie du fond diffus cosmologique, ou plus vulgairement, une carte de notre univers observable. Les mesures du satellite WMAP permettent aussi de mesurer la courbure de l'espace-temps, et il nous indique que la courbure spatiale de l'univers est dans un intervalle très réduit. Si l'on se représente l'univers comme une surface plane à 2 dimensions, les données que nous fournit WMAP nous indiquent que la courbure de cette surface est extrêmement légère, voire inexistante. Notre univers serait donc indéfiniment grand. La naissance de l'univers, sa taille, tout est lié par le fait que celui-ci soit en expansion. Mais si l'univers est actuellement en expansion, quand sera-t-il plus tard ? Quel est son avenir, son destin ? Sera-t-il infiniment en expansion ? L'univers disparaîtra-t-il ? Plusieurs hypothèses sont envisagées. C'est vrai que ça peut être intéressant de se poser la question de où est-ce qu'il va finalement cet univers. On a l'impression qu'il court vers quelque chose. Il court vers quoi ? C'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça la question je pense de l'avenir et de ces prochaines années, c'est de savoir ce qui se produira à sa fin. La fin de l'univers, on sait qu'on a déjà plusieurs schémas qui le décrivent, hein. On a le Big Freeze, le Big Rip. Chaque scénario a sa particularité, il décrit une fin de l'univers assez sympathique, entre guillemets, on va dire. Donc finalement, à partir de ces quatre scénarios qui peuvent décrire la fin de l'univers, on peut commencer à retracer un fil. On a plus ou moins ce qui s'est passé peu après le début, si début il y a de l'univers. Et on peut avoir potentiellement ce qui se passe à la fin. Maintenant, la question de l'avenir de l'univers, c'est qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui, le moment où je vous parle, et cette possible fin de l'univers. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Tout d'abord le scénario du Big Crunch. Celui-ci prédit que dès que notre univers aura perdu l'énergie qui lui permet d'être actuellement en expansion, il se contracterait, soumis à sa propre gravité pour redevenir en quelque sorte une singularité. Une autre possibilité, le Big Freeze, aussi appelé Big Chill, serait que l'univers devienne un lieu froid et désolé, à cause de son expansion constante et infinie. Un autre scénario, le Big Rip. La grande déchirure. Celui-ci suppose que la fin de la phase d'expansion de l'univers se terminerait par une destruction de tout ce qui existe, jusqu'au moindre atome, étiré par une expansion de plus en plus rapide. Ce modèle suppose l'existence d'une forme d'énergie hypothétique appelée énergie fantôme, dont la principale caractéristique serait de voir sa densité augmenter pendant l'expansion de l'univers. Mais chacun de ces scénarios serait sans doute lié à l'énergie noire, aussi appelée énergie sombre, et découverte en 1998. Elle est proposée comme énergie hypothétique suite à la découverte imprévue de l'expansion de l'univers. Cette énergie sombre fonctionne dans le sens inverse de la force gravitationnelle. C'est elle qui permettrait aux galaxies de s'éloigner les unes des autres. Ce que je peux vous dire, c'est que l'univers, on a percé pas mal de ses secrets, mais il nous en reste encore énormément à trouver, à percer et à comprendre.
et finalement on peut pas prédire son avenir. On n'a pas assez d'éléments qui peuvent nous permettre de faire ça. On n'est pas des voyants, on n'est pas. Je pense qu'il faut simplement prendre la question humblement et se dire que ouais, l'univers il va continuer de se développer. Il va certainement continuer ce qu'il est déjà en train de faire, et on voit qu'il y a des événements qui vont se produire parce qu'on remarque que, par exemple, il y a des galaxies qui se rapprochent les unes des autres, donc on émet l'hypothèse qu'elles vont un jour se rencontrer et potentiellement faire de belles choses. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir de l'univers, c'est simplement rempli de désastres et de magie et de choses absolument magnifiques qui vont se produire. Il est compliqué d'essayer de comprendre l'univers en découpant son parcours par partie. Sa naissance, sa taille, son avenir, tout a l'air lié. Actuellement, nous estimons que nous arrivons à comprendre le fonctionnement et la nature de notre univers à hauteur de 5%. Les 95% du contenu de l'univers restant étant alors actuellement incompréhensible pour nous. Dans ces 95%, il y a ce que l'on appelle l'énergie noire, mesurée par le satellite Planck, et la matière noire dont la nature nous est totalement inconnue. Une énergie, une matière hypothétique qui ne nous permettrait que d'élaborer nombre de théories. À ce jour, rien ne nous permet de dire si l'univers est fini ou infini, même si les données statistiques auraient tendance à nous indiquer qu'aucune limite n'y est visible. La vérité, c'est qu'il est actuellement impossible pour nous de savoir ce que sera notre futur. Alors, à quoi bon s'intéresser, pourrait-on se demander? Vivrons-nous assez longtemps pour comprendre tout cela? Notre cosmogonie se trouvera peut-être complètement absurde dans le futur. Notre vision de l'univers est limitée par la lumière et nous ne pouvons donc qu'essayer de nous rassurer en nous donnant une origine, un point de départ. Comme à toute chose que nous connaissons, qui a un début et une fin. Mais nous sommes là, alors essayons quand même.